Bonsoir Benji, merci pour l'invitation. Le stage a bien déroulé jusqu'à date. Nous avons Nelson Pierre qui est arrivé les 8, donc maintenant nous sommes 25. Nous avons joué un match amical récemment, côté nous avons 6-0, mais nous n'avons pas chuté sur victoire ça pour nous dire que nous sommes prêts. Dans le travail qui est fait, nous avons bien avancé, nous commençons à implémenter la philosophie nous dans le groupe blanc. Et je vais vous répondre très bien. Pendant que vous avez évoqué pour le match amical, 6-0, 6 buts différents, qui le sont tirés de match football ça et qui vient de s'accasser pour suivre la préparation? Bon, match football n'est pas parfait. Nous avons un peu de travail nous pour nous faire, mais nous avons offensivement nous gagnons munitions pour nous marquer un peu de goal. Donc, nous avons continué pour finir zone attaque, nous avons travaillé avec militaires, nous avons travaillé avec défenseurs pour nous développer une équipe qui ont bonne cohésion pour nous capables d'affronter l'adversaire dans les meilleures conditions possibles. Et voilà, notre match amical qui a privé, qui vous permet de porter correction ça. Oui, demain, nous avons joué contre Celaya FC, c'est un club U23 qui est très très solide. Nous avons évalué vraiment le joueur qu'il a pour nous, comment il a répondu et puis nous avons regardé comment il a évolué tout dans le système que nous voulons implémenter pour nous jouer la compétition ça. Nous l'avons observé, nous avons constaté l'implication de tous les joueurs, comme Sinda dit, paraît très compétitif. Est-ce que c'est parce qu'on a une quantité, il faut réduire, qui fait ça ou bien c'est motivation pour tout le monde? Ben, objectif là, c'était ça, c'est mener un groupe quand même assez large, pour nous capables de choisir les meilleurs éléments pour aller représenter le pays. Hein. Comme on connaît, nous-mêmes, nous n'avons pas eu l'opportunité pour nous réunir, souvent même les Américains ou les Canadiens ont fait. Donc, il faut que nous ayons une possibilité ça pour nous gagner un groupe avec 25-26 joueurs, que nous avons pris 21 qui peuvent représenter le pays. Qui date et réduction ça fait? Bon, normalement, nous supposons quitter côté nous et là les 19. Nous supposons faire ça autour du 15-16. Ah, j'ai publié, nous fait ça. Et coach, on va pouvoir travailler ça là, dans la préparation, on va pour contour. Et nous avons des étrangers qui sont avec vous, qui sont dans ce sac-là. On va faire une petite présentation de monde qui accompagne vous dans ce sac-là. Bon, premièrement, Genaro Angelillo, c'est un ami bien avec lui depuis 20 ans. Nous avons passé licence B nationale nous, ensemble au Québec. Mayowa Olavi, c'était où mettre moi, l'homme d'affaires USSF et license moi aux États-Unis, à Kansas City, c'est là nous rencontrer. Donc, faut me dire, tout le monde qui est entouré dans cette classe, on sait, nous t'étudions étudiants ensemble, nous avons compétences, nous avons compétences moi, nous avons même philosophie. Donc, nous là pour nous aider pays. Hein. Et puis, nous avons Ludovic Tessier qui vient en remplacement de Olivier Guillier, malheureusement, qui n'est pas qu'à venir. Nous connaissons Olivier Guillier, c'est un qui fait un travail extraordinaire avec nous dans Saint-Kitts. Mais Ludovic Lila là, travaille très bien avec nous. Nous avons Jay qui là, c'est un gardien qui finit en kinésiologie dans l'Université Saint-François-Xavier et qui est un entraîneur spécialisé en gardien de but. Et puis son kinésiologue lui est tout. Il est très bon en préparation physique. Et sinon, bon, nous manquons quelques membres de staff avec nous qui étaient là à Saint-Kitts. Mais... Écoutez, est-ce que vous avez l'impression que le stage là a bien passé? Jusqu'à date, le stage l'a bien passé. Nous avons un environnement vraiment intéressant, côté que joueurs épanouis, staff épanouis. Nous avons trois terrains naturels qui sont bien nettoyés pour nous capables de travailler correctement. Et puis, joueurs à l'écoute, staff est compétent. Donc, nous n'avons aucun problème jusqu'à date. Joueurs bien nourris, bien dormis. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours quelques petits pépins, mais bon, ça gagne au minimum. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.